Bonjour les garçons. Bonjour maman. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les garçons? On va faire un jeu de loi géant. Sur quel thème? Le dragon. Sur le thème dragon. Donc comme le film Dragon, mais en Playmobil, car Playmobil a sorti toute la gamme dragon. Donc on va vous présenter notre jeu de loi. Alors déjà, le voici en entier. Voilà, on a tout notre jeu de loi en entier là. Donc du coup, je vais vous présenter et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer sur chaque case. Ouais. Donc ici, c'est la case départ. La case jaune, c'est la case départ. Quand on tombe sur une case avec les personnages des dragons, on rejoint le dragon attitré à sa case. Par exemple, ici, on a cogne dur et crâne dur. Et si on tombe sur cogne dur et crâne dur, ils vont aller rejoindre Pété-prout. Ah, c'est lui, Pété-prout. Bah oui. Je croyais que c'était lui. Si on tombe sur Astrid, on va rejoindre Tempête. Lui. Ensuite, il y a ici, attention mon Lenny. Ici, il y a Varek, ouais, qui est associé à Bouledogre. Ici, il y a Harold avec Croque-Mou. Lui, je l'adore. Et ici, il y a, il est tombé lui, Rustique, qui est avec Crochefer. Donc, ils sont vraiment tous très beaux. Ils sont, franchement, ils sont magnifiques. C'est lequel ton préféré, Cody? Lui, c'est le plus coloré. Tempête. Mon préféré, Bouledogre. Ouais. Bouledogre. Normalement, c'est quoi le Bouledogre? Dans le dessin animé. Et Croque-Mou, par contre, attention, Croque-Mou, vous savez ce qu'il fait? Non, oui. Il lance des flèches. Regardez-moi ça. Ouais, il est beau. C'est trop beau. Ouais, il est vraiment très beau. Lui, en fait, il a pas de pied. Ouais, c'est vrai. Fait manger. C'est vrai, t'as raison, Lenny. Les enfants adorent dragon. Comme ça. Donc du coup, quand on tombe sur les cases personnages, on rejoint le dragon. Quand on tombe sur une case dragon, on avance d'une case. Ça c'est cool. Quand on tombe sur la case catapulte, parce qu'ici il y a la catapulte de mouton. Et quand on tombe sur la case catapulte, il va falloir éjecter un mouton dans un panier. Et on aura 3 essais. Si on réussit pas à lancer le mouton dans le panier, on passe son tour. Ici on a la case chamboule-tout, donc on a les moutons. On utilisera Croque-Mou pour faire tomber les chamboule-tout. On aura 3 flèches. Croque-Mou, c'est qui déjà? Croque-Mou, c'est le gros là qui lance les flèches. Oui. Croque-Mou. Donc du coup, ce sera un défi collectif, ça. Celui qui gagnera, qui fera tomber le plus de moutons, il avancera de 2 cases et celui qui perdra, il reculera de 2 cases. Yes! Maintenant, je croque un truc mou. Ensuite, la case trousse, ce sera pour dessiner un mouton. La case mouton, ce sera un problème mathématique sur les moutons et les dragons. Et la case point d'interrogation, ce sera une question au sujet des dragons. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts? C'est moi qui commence. Alors, on va faire Shifumi pour savoir qui commence. Quand tu comptes moi, allez. Shifumi. Allez, je commence. Non, on combat pas. Non, une. C'est Cody qui commence. Deuxième. Attention les dragons, nous voici. Cody, c'est parti, tu joues en premier. 5. Cody a fait 5. Alors 1, 2, 3, là on a 4, 5. Donc tu arrives sur la case de Tempête. Donc une case dragon, tu avances d'une case. Oh. Et là, c'est quand même, on a de la chance. Tu arrives sur la case de Varek. Donc tu avances jusqu'à Bouledogre. C'est lui? Oui. Regarde, il a une tête de bulldog. Donc Cody, il est déjà avec bulldog. Alors tu peux prendre bulldog dans les bras et prendre Varek et le mettre dessus. Tiens, je te donne Varek, tu peux le mettre sur bulldog. Tu peux l'installer, tiens. À Lenny. Pendant ce temps-là, Cody installe Varek sur bulldog. Quel pauvre.
Donc 4, Léni. 1, 2, 3, 4. Donc tu arrives sur Pété Prout. Tu avances d'une case. En même temps, Léni, on monte d'une case. Tu avances d'une case. Bah, du coup, et là, tu arrives sur la case de Tempête. Donc tu ravances une case. Et là, c'est fini. Tu restes ici. En plus, lui, il est trop stylé, à vous. Ouais, il est beau, il a des très belles couleurs. Ouais. À Tino. Je l'ai installé. Ah, tu l'as installé. Attends, je regarde. Pété Prout. Oh, il est magnifique. Donc allez, toi, tu restes sur ta case. On remet Tempête sur sa case. Pourquoi? Allez, Tino. Comment? Ah, parce que toi, t'es sur la case rouge, là. Attention. 1. Oh. Sur le jaune. Oh, Tino, tu avances beaucoup. Ouais, même si tu es à la case départ. Non, non, Tino, t'es sur la jaune, hein. Ah. À Cody. Attention Cody. 5. Oh là là, Cody, il déchire tout. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le vert, il n'y a rien à faire. Tu es en tête. Léni. Je suis en tête. 6. Oh. Oh non. 2, 3, 4, 5. Sur le rouge, tu n'as rien à faire non plus. Allez, tu te rapproches de Cody quand même. Allez. À Tino. 5. 1, 2, 3, 4 et 5 sur le rouge. Tu n'as rien à faire. Cody, tu peux prendre le dé. Donc Cody, toi tu es sur le vert. Attention. 4. Alors vas-y, avance. 1, 2, 3. Ah, dessine-moi un dragon. Oh oh, je te donne une feuille. Tu t'assois et tu me dessines un beau dragon. Celui que tu veux. Tu préfères dessiner lequel? Le dragon. Mais c'est dur. Ah bah c'est pas grave, tu fais comme tu peux. Tu utilises tes couleurs, bah tu prends, t'as des modèles. D'accord, ok. Bah fais celui que tu veux et nous on devra deviner lequel tu as fait. Ok? Vas-y. Alors, à Léni, pendant ce temps-là, Léni, tu peux jouer. Alors, lance par là, hop. Attention. Je suis là. Ouais. Je fais ça. Je fais 3. Sur le vert. Il ne se passe rien pour Léni tout de suite. À Tino. Vas-y, Tino. Attention. 6. Donc, tu étais sur le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne se passe rien pour Tino. Alors, Cody, il en est où dans son dessin? Vas-y, continue, continue. Mais c'est à qui de jouer? C'est à toi, mais vas-y, continue. On te retrouve tout de suite dès que tu as fini ton dessin. Allez, vas-y. Alors, Cody, tu as fini ton dessin? Oui. Montre-nous. Alors, est-ce qu'on reconnaît c'est qui, les garçons? Mais oui, c'est Pété Prout, non? Eh oui, c'est Pété Prout. Bah oui, on voit bien avec les deux têtes, les deux queues. C'est bien, Cody, tu as réussi ton challenge de Pété Prout. Donc, c'est à toi de jouer. Allez, go. Vas-y. Let's go. Oh. 2. 2. Donc toi tu restes sur la case rouge. Oh, allez, Léni. Je vais pas tomber sur mon dos. Et... Léni, 2. Atino. Attention. 2. Et... Oh. À la place, non, sur la catapulte. Oh. Donc, il va y avoir un défi pour Tino avec la catapulte. Tino, tu vas avoir 3 essais pour projeter un mouton dans l'un des paniers. Si tu perds, tu passes ton tour. Okay. Attention, alors vas-y, tu peux t'asseoir. Tu l'installes comme tu veux. Si je réussis, maman. Attends. Si tu réussis, tu rejoues. Alors, pour jeter le mouton, t'as juste à appuyer là. Plus tu appuies fort, plus ça lance fort. Alors, tu peux le tourner un petit peu comme tu veux. Tu peux faire comme ça, comme tu veux. Tu as 3 essais. Non, pas trop près. Attention. Premier essai.
Ah, loupé. Loupé. On remet le mouton, donc on appuie dessus. Hop, deuxième essai. Oh, un peu trop loin. Et troisième essai. Pour ça qu'il va réussir. Parce que ça a l'air d'être vraiment chaud. Allez. Bien joué Tino. Troisième coup, tu as réussi. Donc du coup, tu peux rejouer. Merci la catapulte. Merci la cata. Alors vas-y, tu peux rejouer. Allez, on s'élèvera avec une petite tête. Attention. 1. Bon, tu vas au vert. Hop. Là, ce sera à Jenny. Non, là, c'est à Cody. On recommence un tour. Alors, Cody. Youplé. 5. Cassé. Bah non, cassé non. 5. Allez, 1. Vas-y, 5. 1, 2, 3. T'étais au rouge. Ouais. Alors, 1. Non, t'étais au rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Plus qu'une case et tu as gagné. Mais est-ce que si je fais 2 ou 4 ou je sais pas quoi. Bah oui, après, voilà. Alors, Lenny. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. À Tino. Allez. Tu n'as rien. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rien. Sur le jaune. À Cody. Bon bah je crois que sans trop de suspense, 3, Cody a gagné. Bravo. Cody est le grand vainqueur, tu peux te checker avec tes frères. Cody est le grand vainqueur de ce jeu, tu remportes tous les dragons. Ouais. Tous les dragons sont à moi. Tous les dragons sont à toi. Bon alors est-ce que ça vous a plu cette vidéo les garçons? Trop bien. Vous avez eu de la chance d'avoir tous ces dragons? Ouais. Je crois que vous allez plus les lâcher là. Oh les beaux dragons. C'est moi le vainqueur. Et Croque-Mou, oui, il s'allume, hein. On voit, il... Et là, jette une flèche avec Croque-Mou, regarde, attends, je te montre. Donc alors, là, il s'allume. Attends. Attention. Oh. Wow. Vas-y, reprends la flèche, Tino, essaye. Je vais essayer de le tirer. Bon, bah là, je crois que les garçons, ils ont pas fini de jouer. Ah oui, c'est sûr que comme ça, tu vas y arriver. Attends. Ah, je sais pas. Bon, alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Les garçons, je pense qu'ils vont s'amuser pendant un long moment avec tous les dragons. Et du coup, on va pouvoir dire au revoir aux copains, les garçons. Au revoir les copains, surtout pensez aux pouces. Et surtout, abonnez-vous. Gros bisous.